J'ai un grand plaisir de vous accueillir au centre de l'Académie polonaise des sciences à Paris, à la soirée exceptionnelle consacrée à la présence et au rayonnement de la culture haïtienne sur d'autres territoires géographiques et sur d'autres champs artistiques. Cette soirée fait suite à une narration de tradition haïtienne que nous avons inaugurée ici même au centre, il y a un an, avec le professeur Patelko et sa conférence sur la religion polonaise en Haïti. Et cette même année, nous avons commencé la conférence sur ce thème avec le Centre de civilisation polonaise, dirigé par M. Pablo Jordan, que je remercie et je salue. Aujourd'hui, cette soirée va être encore plus riche en couleurs. Elle se compose de trois parties. Nous allons commencer par la conférence du professeur Patelko, intitulé « L'esprit des jazz et des blues chez les poètes de la Harlem Renaissance américaine et de la Révolution franco-calbaire ». Elle sera suivie de la conférence du professeur Roger Colombier, que j'ai le plaisir de saluer. Et il nous présentera la conférence intitulée « Grotowski dans le chemin de roman des narrations haïtiennes ». La rencontre se terminera par un concert de Claude Saturné sur le tombeau. Je vais commencer par présenter M. Patelko, que pratiquement tout le monde parmi nous connaît. Il est professeur titulaire à l'Institut d'études romaines de l'Université de Varsovie, où il dirige depuis 1997 le Centre d'études en civilisation canadienne-française et en littérature québécoise. Ses domaines d'enseignement et de recherche sont la littérature du Québec et les grailles francophones, antilles Guyanes et Haïti, la sociocritique, le roman français du XXe siècle. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature francophone des Amériques. Joseph Patelko est professeur et chercheur invité dans les universités en Europe et au Québec, à l'Université de Montréal, à l'Université de Laval, du Québec à la Rimouski, et en France, Paris 13, Montpellier 3, Antibes, Limoges, Bordeaux 3. Il est co-traducteur en français de la poésie de Jesuit Miwash, prix Nobel de littérature, publié dans la Revue Liberté en 1981. Il est membre du conseil scientifique de l'Association internationale des études québécoises depuis 2007 et récipiendaire du certificat de mérite du conseil international d'études canadiennes ainsi que de l'ordre des francophones d'Amérique qui lui a été décerné en 2018, donc c'est tout récent, ce n'était pas encore le cas l'année dernière, par le gouvernement du Québec. Tout à l'heure, je vais présenter tout à fait à part monsieur le professeur Leche Kolankiewicz, mais maintenant je donne la parole au professeur Joseph Patelko. Merci. Je pense que ça y va. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est bon? Alors écoutez, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier les amis, plusieurs amis haïtiens, français, polonais qui sont venus nombreux ce vendredi soir. Ce n'est pas évident parce que c'est le temps des escapades à la campagne, le début du printemps. Merci beaucoup. Je voudrais remercier monsieur le professeur Maciej Forecki, qui est directeur de ce siège centre scientifique de l'Académie polonaise des sciences, d'avoir organisé et co-organisé avec mon collègue le professeur Paweł Ronda, qui dirige le centre de civilisation polonaise à la Sorbonne. Nous avons cette opportunité de continuer aussi ma présentation des Polonais noirs en Haïti de l'année prochaine. Donc vous voyez que ce centre de l'Académie polonaise est un lieu qui se situe à la croisée des cultures, au croisement des cultures, et qui n'est pas un lieu qui enclos, ce n'est pas un milieu de clôture. Je vais commencer ma conférence en ma conférence en disant que un peu quelque chose à ma décharge, c'est que je ne suis pas spécialiste de la musique en général, du jazz, je suis très amateur du jazz et du blues, et je ne suis pas spécialiste de la Harlem Renaissance, mais qu'on est beaucoup mieux sur la poésie haïtienne et la littérature haïtienne. Et en France, il y a quand même d'éminents chercheurs qui ont travaillé sur cette problématique par rapport à la Harlem Renaissance. Il s'agit de Michel Fabre, de son ouvrage magnifique « Rive noire de Harlem à la Seine » ou « De New York à la Seine » d'Anthony Marjan, qui est professeur à Strasbourg, et aussi de Yannick Seyté, qui a écrit dernièrement dans la revue Gradiva, consacrée à la Harlem Renaissance,
un article justement sur l'inspiration de la musique dans l'anthologie Negro Anthology de New York. Mais je me jette à l'eau. Je vais m'asseoir. En 1932, dans le premier et unique numéro de Légitime Défense, revue des étudiants afro-antillais de Paris, qui a été saisi par la préfecture aussitôt publié, c'est considéré comme un brûlot dangereux qui incite aux émeutes ou aux troubles, on peut lire une véritable fascination pour la poésie des Noirs américains et pour le jazz. La culture américaine la culture américaine apparaît dans ce numéro aux allures de manifeste comme synonyme de l'art authentique, lequel, en renouant avec l'Afrique des ancêtres, permet d'accéder à une autre expression moderne. Pour Étienne Leroux, étudiant martiniquais à Paris qui est cofondateur de la revue, les idées émancipatrices véhiculées par le poète afro-américain et aussi ceux d'Haïti, pays occupé jusqu'à 1934, qui se trouve occupé, envahi par les troupes états-uniennes, ces idées sont associées sur un mode quasi eschatologique de l'avènement d'une véritable poésie aux Antilles françaises. Je cite : le vent qui monte de l'Amérique noire aura vite fait, espérons-le, de nettoyer nos Antilles des fruits avortés d'une culture caduque. Langston Hughes et Claude McKay, les deux poètes noirs révolutionnaires, nous ont apporté, marinés dans l'alcool, l'amour africain de la vie, la joie africaine de l'amour, le rêve africain de la mort. Je marque un peu le rythme pour vous mettre dans l'ambiance du concert qui nous attend tout à l'heure. Et alors, et déjà de jeunes poètes haïtiens, c'est la suite de la citation, des jeunes poètes haïtiens nous livrent des vers gonflés d'un futur dynamisme, du jour où, c'est pour ça que je dis le mode eschatologique, du jour où le prolétariat noir qui suce aux Antilles une mulâtraille parasite vendue à des blancs dégénérés accédera, en brisant ce double joug, au droit de manger et à la vie de l'esprit, de ce jour-là seulement, il existera une poésie antillaise. Et à René Ménil, un autre étudiant martiniquais, cofondateur de la revue, qui constate la même aliénation de surenchérir. Je cite : il convient donc aux Noirs antillais de reconnaître d'abord ses passions propres et de n'exprimer que lui-même, de prendre en sens inverse de l'utile le chemin du rêve et de la poésie. Dans la ligne de son effort, il rencontrerait les images fantastiques dont les statuettes africaines et océaniennes sont un des modes d'expression, des prières, des récits, le jazz du nègre d'Amérique et l'œuvre des Français. Et on bat, dans une note en bas des pages, on énumère l'autre amour, Rimbaud, Apollinaire, Jarry, Reverdy, les Dada, les surréalistes. Donc des modes d'expression qui, par-dessus l'industrie et par le moyen des puissances, de passion et de rêve, ont conquis la fraîcheur de l'Afrique. Pour les poètes haïtiens ou antillais, revendiquer ces liens avec l'Afrique, une Afrique beaucoup plus fantasmée et mythique que réelle, car filtrée par la double réalité française et américaine, participe d'un rapport imaginaire, sans cesse réinventé, à la culture des lointains ancêtres du continent noir. Mais cette revendication va donner justement le coup d'envoi, l'essor à la négritude. La négritude comme mouvement littéraire et comme mode d'expression des poètes afro-antillais qui va naître déjà dans un contexte urbain de la fin de l'époque coloniale, au milieu des années 30, aux Antilles et surtout à Paris. C'est un phénomène majoritairement parisien, la négritude. En Haïti, cette négritude a pris déjà les couleurs de l'indigénisme dès la fin des années 20. La négritude, elle est caractérisée par un double mouvement dirigé d'une part contre le colonialisme en tant qu'idéologie et réalité administrative et socio-économique
économique de la métropole, et d'autre part, elle se trouve tournée contre toute une tradition de la littérature, d'une littérature d'assimilation, appelée littérature doudouiste, qui vient du mot allemand doudou, ma chérie, la poupée créole, ou la femme martiniquaise ou antillaise, bariolée, stéréotypée avec les boucles d'oreilles, le madras, etc. Cette poésie doudouiste que Damas a appelée poésie de décalcomanie, celle qui véhicule un imaginaire exotique répondant au goût des expositions coloniales avec son topos des Antilles heureuses où règne luxe, calme et volupté, comme dit le poète. Avant de trouver ces articulations esthétiques, l'idée image de la maigritude est en gestation dans les revues parisiennes La Dépêche africaine de 1928 jusqu'à 1936 et surtout dans une revue qu'on étudie de plus en plus aujourd'hui mais qui est restée pendant longtemps méconnue, la revue du monde noir, bilingue, The Review of the Black World, qui paraît entre 1931 et 1932 seulement. C'est une revue bilingue fondée par les sœurs Paulette et Jeanne Nardal, originaires de la Martinique, qui ont obtenu un diplôme d'anglais à la Sorbonne et qui tiennent un salon littéraire dans leur appartement à Clamart, dans la région parisienne, là où les jeunes étudiants comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et René Ménil peuvent rencontrer les écrivains afro-américains de la Harlem Renaissance comme County Cohen, Claude McKay et Langston Hughes. Le mot « la négritude » apparaît pour la première fois dans le numéro 3 de l'étudiant noir, donc une revue qui paraît entre 1934 et 1940, revue des étudiants franco-antillais haïtiens, fondée par Césaire. Aimé Césaire participe à cette revue, un des rédacteurs principaux, et par Léon Gontran Damas, un étudiant de la Guyane française. Et ce mot, comme vous savez, dès sa naissance, est chargé d'une ambiguïté, d'une irrésolution foncière entre sa portée identitaire, ethnoculturelle et sa visée universaliste. Je cite un passage. « Pour nous, nous voulons exploiter nos propres valeurs, connaître nos forces par personnelle expérience, creuser notre propre profondeur, les sources jaillissantes de l'humain universel, rompre la mécanique identification des races, déchirer les superficielles valeurs, saisir en nous le nègre immédiat, planter notre négritude comme un bel arbre jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits authentiques. » Fin de la citation. Ensuite, les mots réapparaissent en 1939 dans le fameux cahier d'un retour au pays natal de M. Césaire. Je cite. Haïti, où la négritude s'est mise debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Plus tard, Césaire définira la négritude comme, je cite, « valeur culturelle du monde noir » qu'il proclamera comme égale à celle du monde blanc. Chez Léopold Sédar Senghor, le poète sénégalais, la définition de la négritude est au début, il va changer, ce concept, mais la définition est beaucoup plus essentialiste. Il s'agit plutôt, je cite, de l'ensemble des valeurs de la civilisation du monde noir, l'ensemble des caractères, des manières de penser, de sentir propres à la race noire. Et ce glissement de sens définitionnel entre Césaire et Damas trahit déjà le risque d'enfermement idéologique dont l'exaltation de la race. C'est que Sartre verra dans sa fameuse préface qui s'appelle Orphée noir à la nouvelle anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor comme un danger, le glisser dans ce qu'il appelle le racisme antiraciste. Sur le mode protestataire antiraciste, il y a cette exaltation ethniciste de la race noire. Mais il faut toutefois avouer que la réappropriation même du mot nègre, au-delà du mot noir, ressortit à une provocation. Il s'agit de créer un néologisme, négritude,
à l'appui du suffixe « itude » et non pas à l'appui du suffixe « ité », comme dans « francité », « latinité », « polonité », propre à la grammaire raisonnée occidentale. Et comme telle, cette provocation parvient à clamer haut et fort l'idée de réhabilitation, des reconquêtes d'une identité et des valeurs culturelles longtemps bafouées. Il faut souligner que la négritude, sa fécondité avant tout poétique, émerge dans les années 30 dans un contexte qui lui est très favorable, car elle récupère en quelque sorte à son compte deux traditions artistiques et littéraires qui connaissent leur apogée à Paris pendant les années folles, donc entre 1900 et 1930. Il s'agit d'une part de la vogue de l'engouement pour l'art nègre, ou l'art primitif qui est lancé par Jean Cocteau, le collectionneur Paul Guillaume, Blessandra, Picasso et les cubistes Braque, Derain, Matisse qui découvrent au musée d'ethnographie de Paris la potentialité plastique de statuettes et de masques africains dans les sillages des recherches ethnographiques en Afrique des ethnologues et des anthropologues français comme Marcel Criolle, Maurice de la Fosse, Robert de la Vignette et plus tard de l'allemand Léo Frobenius. D'autre part, il s'agit de plusieurs affinités avec l'avant-garde poétique française, avec les prises de position anticolonialistes, antimilitaristes et antibourgeois des dadaïstes comme Apollinaire, Tristan Tzara, Robert Desnos, et des surréalistes comme Benjamin Perret, René Cravel, Philippe Soubon, André Breton, Paul Éluard et Louis Armand. Et cette parenté entre les poètes de la négritude ou les partisans de la négritude et ceux de mouvements d'avant-garde, donc les Dada et les surréalistes, est visible à même les contradictions propres aux surréalistes. Pratiquer la provocation ponctuelle sans négliger l'action continue, donner la priorité à l'esprit, aux émotions, sans oublier la matière, le collage, le ready-made, privilégier le rêve, les associations libres, sans oublier l'analyse. Enfin, on peut parler d'une certaine osmose au plan intellectuel qui se traduit par des complicités militantistes entre André Breton et deux Martiniquais, Aimé Césaire, qu'il a rencontré en Martinique en 1941, et aussi avec René Ménil, et aussi avec l'haïtien René Depestre, que Breton va rencontrer en Haïti en 1945, puis d'autres poètes comme Manoir Saint-Aude. Et d'autre part, entre Robert Desnos et le poète guyanais Léon Gontran Damas, dont je vais parler plus tard. Sur le plan littéraire également, l'intérêt pour l'Afrique est bien présent dans les années 1920 en France, après la publication déjà en 1910 d'Impressions d'Afrique de Raymond Roussel, c'est un drame poétique, ensuite de la parution de l'anthologie nègre en 1921 de Blaise Sandra, l'apparition du voyage au Congo et du retour du Tchad à la fin des années 20 d'André Gide, mais avant tout après l'attribution du prix Goncourt en 1921 au Guyanais, le premier noir, René Maron, pour son Batwala, le véritable roman nègre. Quant à la référence américaine, il s'agit de l'invention d'une identité nouvelle, de la naissance du nouveau nègre, de l'Afrique au cœur de l'Amérique, comme le dit Michel Legris dans La beauté du monde, de l'affirmation d'une identité afro-américaine ouverte sur le monde, là où les Noirs, descendants de l'esclave africain, puissent enfin trouver sa place dans l'Amérique. Il en va d'un accord spécifique, autant culturel, mais aussi politique et social, qui s'exprime dans des revues comme la revue The Crisis, fondée en 1910, The Negro World, fondée en 1916, The New Negro en 1918, dans les magazines artistiques et littéraires comme Fire, fondée en 1926, comme Harlem, fondée en 1928, autour des associations de la défense des droits civiques comme National Association for the Advancement of Colored People, et autour des penseurs politiques et des leaders charismatiques comme William Edward Burkhardt du Bois,
docteur de Harvard qui réhabilite historiquement le passé africain et qui organise en 1919 à Paris le premier congrès panafricain, de Marcus Garvey, le père du sionisme noir. Je n'ai pas le temps de vous parler du sionisme noir, mais c'est ça qui va, cette mystique et cette philosophie va donner petit à petit le mouvement Rasta, qui vient de Rastafari, c'est-à-dire l'appellation de l'empereur d'Éthiopie, Haile Selassie, Mongusto Selassie, car les Noirs américains projettent, ils vont, comme ils disent, faire une autre lecture de la Bible, prétendant que la reine Saba a sorti la troisième tribu d'Israël de la Judée, elle est allée en Afrique, et là, c'est au ton légendaire du roi Salomon, et elle a donné naissance justement à ces juifs noirs. Et puisque l'Abyssinie est le seul pays non colonisé, il a été colonisé pendant quelques mois par Mussolini, mais c'est un pays non colonisé, libre, donc tous les noirs doivent quitter le Babylone, la diaspora, et aller au Sion, à la patrie de tous les noirs. Ensuite, on peut parler de d'autres figures charismatiques de la Harlem Renaissance, comme James Weldon Johnson, l'un des premiers professeurs noirs de l'Université de New York et auteur de The Book of American Negro Poetry en 1922, dans un log, c'est important pour Haïti, dans un log, parce que c'est un philosophe et un auteur d'une anthologie manifeste The New Negro et d'un essai important, The Negro and His Music, publié en 1933, qui fera une série de conférences en Haïti en 1943, et cette série de conférences est aujourd'hui publiée par Anthony Mangeon en livre chez Cartala ou l'Armentale. Ensuite, il ne faut pas oublier les femmes, elles sont très importantes dans Harlem Renaissance, comme Zora Neale Hurston, première écrivaine noire qui a étudié et commenté les religions afro-chrétiennes du Brésil et d'Haïti. Et il ne faut pas oublier surtout Nancy Cunha, qui a publié la Negro Anthology, que Sarah Salgas, qui est parmi nous, a édité récemment cette anthologie en français, dont une partie a apparu dans la revue Gradiva de 1914, dans le numéro L'Atlantique Noir. En ce sens, le bouillonnement culturel de Harlem, qu'on appellera la Renaissance de Harlem, Harlem Renaissance, son effervescence créatrice dans laquelle se sont reconnus les écrivains et artistes d'Europe et d'Amérique, aura certainement une portée transfrontalière, transnationale et universelle. Et c'est précisément dans ce climat de Renaissance culturelle que les artistes et les écrivains noirs de Harlem envisagent de se rendre en France. Exactement comme l'avait fait dans les années 20, dans les Roaring Twenties, leur confrère blanc de la Lost Generation, comme John Los Passos, John Steinbeck, William Faulkner, puis un peu plus tard, Gertrude Stein, Hart Crane, et Paul Bowles, qui est grand animateur de Duke Ellington, et Sylvia Beach, la propriétaire de Shakespeare and Company, la fameuse librairie anglophone du quartier latin. Est-ce qu'elle existe encore, cette librairie? Oui, bon, c'est une balade pour moi demain. Et alors, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'aux États-Unis, ce sont les années de la crise économique, de la prohibition, les années des émeutes raciales, de la Ku Klux Klan. Et si, malgré cela, Harlem est un endroit où l'on s'amuse, où ce cabaret, ce musical et cette boîte de jazz ne désemplissent pas, Paris, lui, est une fête qui apporte une bouffée de liberté parce que, non seulement parce que les nuits folles de Cotton Club, ces danses, ces rythmes vont trouver leur prolongement dans les folles nuits de Montparnasse ou à la butte de Montmartre, avec le déferlement des balles nègres, là où danse et chante Brick-Top, puis dès 1925, avec la fameuse Revue Noire au Théâtre des Champs-Élysées, aux Folies Bergères, où se trémousse Joséphine Baker, la danseuse aux plumes et aux pannes de bananes, accompagnée du saxo strident de Sidney Pêche,
mais également parce que la France est idéalisée par le noir américain comme un pays libre du racisme et du ségrégationnisme. La plupart des poètes et des romanciers noirs de Harlem, dont Claude McKay, Langston Hughes ou Country Cohen, feront à un moment donné un séjour dans cette France libérale sans être particulièrement inquiets par le fait qu'ils arrivent dans un empire colonial. Paris accueillera des dizaines d'artistes afro-américains qui participent à la Renaissance de Harlem, des chanteurs d'opéra comme Paul Robeson et Roland Reiss, des peintres comme Henry Osawa Turner et Paul Heiden, des femmes sculpteuses, à commencer par Meta Warrick Fowler, une des dernières élèves de Rodin, Elizabeth Prophet, victime de la ségrégation raciale, qui s'inscrit à l'école des Beaux-Arts, et Augusta Sobey, qui va exposer au Salon de printemps en 1930. Comme le souligne le spécialiste de la Harvard Renaissance en France, Michel Fabre, je cite, « La France incarne plus ou moins inconsciemment, pour les Noirs américains, l'authenticité du projet révolutionnaire européen, affirmant l'égalité et la liberté pour tous. Les États-Unis apparaissant dans ce contexte comme une forme dégradée et pervertie de l'idéal européen. » Je vais passer maintenant à des aperçus sur l'esthétique de cette production poétique. La poésie est certainement le lieu où ces affinités s'articulent le mieux. Déjà dans le numéro 2 de la revue Martiniquaise Tropique de juillet 1941, dans son introduction à la poésie nègre américaine, Aimé Césaire, qui lit en anglais, il maîtrise bien l'anglais, cite les leitmotifs de Langston Hughes, « I speak in the name of the black millions », qu'il va reprendre ce leitmotif dans « Cahier d'un retour au pays natal » en 1939, par l'affirmation du passage du silence à la parole, et par la déclaration quasi-messianique adressée à tous les damnés de la terre, je cite, « et je leur dirai encore, ma bouche sera la bouche de malheur qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Fin de citation. Et il est significatif que vous présentez les poètes de la Harlem Renaissance en 1941, donc 2-3 ans plus tard, après la publication du cahier de retour au pays natal. Césaire va se servir des images antithétiques qu'il avait justement privilégiées dans son cahier d'un retour au pays natal. Des images antithétiques, le silence, la prosternation et l'aliénation, je cite, « Au bout du petit matin, cette ville plate est étalée, et dans cette ville inerte, cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son prix, contre l'érection, la verticalité, la lucidité et la prise de parole. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Ma petite main maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme une guêpe apocalyptique. » Fin de la citation. Or, il est toutefois frappant de voir qu'en parlant en 1941, dans son essai que je viens de citer, ça s'appelle, je vous dis, l'introduction à la poésie nègre, Césaire évoque une dynamique similaire associée justement à la verticalité, au redressement et au ressaisissement identitaire. Alors je ne peux pas lire tout, mais le premier paragraphe et le troisième me paraissent significatifs. La noire tour d'un miracle debout, tout ce qu'il y avait de souffrance humaine, de souffrante humanité dans les slums de Harlem, dans les champs de maïs du Maryland, dans les plantations de coton des Carolines, et ils défilent, hommes, femmes, enfants, pêle-mêle, et s'enroulent autour des chevilles la poussière têtue de la misère et de la faim. Peuple debout, peuple de misère, peuple de tous les merveilleux aussi. Comme ce peuple fait de toutes choses, ce Dieu, c'est avec voracité qui s'en empare. Il sait qu'il viendra un jour, et c'est dans l'attente du calme de Dieu, la plus étonnante quête divine que soit.
qui proclame sur un mode un peu sublimé la révalorisation de l'identité noire héritée du passé africain. Mais cet héritage est constitutif justement du nouveau noir, celui qui accède à la parole et à l'égalité. Mais, attention, c'est aussi une poésie de participation, pas seulement d'émancipation. Elle est une poésie de participation qui revendique le passé esclavagiste comme partie intégrante de l'héritage culturel américain. Et le poème de Claude McKay, « I too, moi aussi », est un des meilleurs exemples de cette aspiration à l'idéal unifiant le monde blanc et le monde noir. Alors je vais vous passer deux versions et je vais vous lire la version en anglais et je vais vous dire pourquoi après. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. But I love and eat well and grow strong. Tomorrow I will sit at the table when the company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Then, besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am American. Alors regardez ce qui se passe dans la version française. La traduction est très correcte, même très réussie. Mais à la fin, là où Armstrong Scrooge va casser la syntaxe, I am America too. I too am America. Pour faire des effets de la langue fêlée, de la langue fissurée, de broken tongue, le traducteur français a fait la syntaxe lisse, correcte. Moi aussi, je suis américain. Alors, je vais faire comme avec mes étudiants. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le traducteur français, pour avoir cet effet de cassure? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi, je suis américain. Il faut chambarder ça. Oui. Mais où est... Moi, je suis l'Amérique aussi. Voilà. Moi, je suis l'Amérique aussi, c'est très... Moi, je suis l'Amérique aussi. Oui, mais ça, c'est très poli. Il faut entendre. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment? Mais où est aussi? Il ne faut pas perdre, non? Il faut rien perdre. Des fois, l'Amérique aussi, voit. Ah, voilà! Ça, c'est bon! Je suis l'Amérique aussi, moi! Ça, ce serait déjà une langue lézarde, une cassure. Ça, c'est bien. Mais j'ai perdu, mais... Enfin, d'accord, merci. Donc, la traduction, c'est délicat. Surtout quand il y a des effets identitaires. La poésie franco-caribéenne, elle, va plutôt jouer sur l'opposition du monde blanc et du monde noir. Le contexte colonial, il y est pour beaucoup. Dans le premier recueil de poèmes de Léon Gontran Damas, le poète guyanais, franco-guyanais, le premier recueil Pigment de 1937, dans ce poème, la négritude se décline sur un mode protestateur. Le rejet des stéréotypes du noir, éternel amuseur, éternel serviteur, corvéable à merci, s'accompagne ici d'un cri où la plainte se mêle à la colère. Bientôt, je n'aurai pas que danser. Bientôt, je n'aurai pas que chanter. Bientôt, je n'aurai pas que frotter. Bientôt, je n'aurai pas que tromper. Bientôt, je n'aurai pas que danser. Chanter, frotter, tromper, frotter, chanter, danser, bientôt. Alors, vous voyez que tout est surdéterminé ici, on le voit bien par l'investissement musical. Le rythme, le tempo, la syncope. Et on peut se demander d'où vient cette... Alors, ça donne des répétitions obsédantes de segments, d'un mot, d'un son, le découpage en vers très bref, dont la fin tombe brusquement pour être reprise, tout comme la conscience d'asservissement qui sonne à la fin comme une menace. Bientôt. Alors, on peut se demander d'où vient cette colère du poète, cette prosodie éruptive. Damas est né dans une famille de fonctionnaires mulâtres à Cayenne. Une famille très blanche, très civilisée, entièrement assimilée à la culture métropolitaine et voulant effacer tout atavisme africain, toute filiation avec la face noire refoulée de son identité. La poésie de Damas
son expérience, traduit son expérience personnelle de cette jeune homme mulâtre. Elle porte le masque de sa révolte contre la valeur familiale, celle de la bourgeoisie de couleur, blanchie psychologiquement, que Frantz Fanon va décrire dans Peau noire et masque blanc en 1952. Dans le célèbre poème OK, Damas va jusqu'à pasticher et réfuter en même temps la parole de sa mère pour revendiquer le banjo comme symbole de la musique nègre, anarchique, symbole de la musique de la culture populaire. C'est un poème très connu qui est aujourd'hui devenu une pièce d'anthologie. Désastre. Parle-moi du désastre, parle-moi. Ma mère voulant d'un fils très tôt, très raide, très mi, très fa, très sol, très la, très si, très do, très mi fa, sol la si, do. Il m'est revenu que vous n'étiez encore pas à votre leçon de violon. Un banjo? Vous dites un banjo? Comment dites-vous un banjo? Vous dites bien un banjo? Non, monsieur. Vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni bon, ni jo, ni yi, ni ta. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Alors, c'est intéressant parce que cette cassure vient dans la parole de la mère. C'est-à-dire que cette poésie de la transgression, c'est une soumission feinte à la parole dominante, hégémonique de la mère, parole blanche, entre guillemets. Et cette poétique correspond parfaitement à ce qu'on appellerait aujourd'hui la stratégie postcoloniale, qui consiste à inscrire de l'ambiguïté au sein du discours autoritaire, à créer une double articulation en s'appropriant le discours de l'autre pour le mettre à mal, en cause, pour mettre en cause le pouvoir autoritaire et mettre à nu le masque blanc. Il s'agit du jouet du mimétisme colonial, de cette indétermination, c'est presque le même, mais pas tout à fait, dont parle Romini Barba, le not quite, en appelant cette polyphonie, ce dialogisme, on peut le dire, site hybride de négociations culturelles. Or, les aspects rythmiques chez Damas, son goût de l'improvisation, ne se limitent pas uniquement à une théâtralisation du langage ou à une exubérance verbale en vue d'éclater, d'exalter la violence de la négritude ou d'en faire une valeur absolue, comme par exemple on les constate dans un magnifique poème « Jamais le blanc » du recueil « Black Label » de 1956. « Jamais le blanc ne sera nègre, car la beauté est nègre, et nègre la sagesse, car l'endurance est nègre, et nègre le courage, car la patience est nègre, et nègre l'ironie, car le charme est nègre, et nègre la magie, car l'amour est nègre, car est nègre le déhanchement, car la danse est nègre et nègre le rire, car l'art est nègre et nègre le mouvement, car le rire est nègre, car la joie est nègre, car la paix est nègre, car la vie est nègre. Donc il y a des poèmes où il déverse sa colère, son amertume, c'est sûr, mais Damas a vécu aussi l'exil parisien. Sa poésie renvoie aussi à sa condition misérable d'étudiant de couleur, qui vit dans les chambres de bonne, qui vit d'expédients, exerce 1000 petits métiers. Et elle est ancrée aussi dans les paris des boîtes de jazz, des flâneries nocturnes. Et le lyrisme de Damas traduit aussi le mal de vivre du jeune homme de la Guyane, du jeune étudiant homosexuel noir, transfuge dans une société machiste, dans une société bourgeoise et bien pensante. Une de mes collègues d'Anvers, Catherine Guisses, a fait une étude sur le côté la sexualité dans la poésie de Damas en prenant une analyse intersectionnelle à l'intersection de la domination de classe, de race et de la domination sexuelle. Donc je dirais que son amertume, cette bouffée de colère d'une part, cette violence qui est tantôt écorchée, à fleur de peau, mais elle est tantôt comprimée, refoulée, à demi-teinte. La vie du noir dans la ville blanche, le déracinement, l'exil, rapproche Damas de Claude McKay,
Dans la poésie de Mackay, on retrouve les échos du blues, de toute une tradition musicale née de l'esclavage qui prend racine dans les slave narratives ou dans les chants collectifs de field collars, ces travailleurs agricoles de champs de coton du Mississippi, dont la danse et le folklore de Deep South, dont les cantiques des églises noires et des congrégations, dont les manières de réciter la Bible, de psalmodier l'histoire des Noirs dans les textes appelés les spirituals, qui vont voyager de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, vers les villes du Nord, Chicago et New York, pour trouver des modulations spécifiques dans les brassages du gospel et des chants protestants anglo-saxons, puis dans les ragtime. Si vous voulez en savoir plus, lisez le grand spécialiste du jazz et des origines du jazz, qui est Robert Goffin, un grand chercheur belge. Cette tonalité de la complainte et les tempos du blues, on les entend pleinement dans les poèmes de Claude Mackay, Deep South. Jamaïcain d'origine, se trouvant à Harlem, le poète noie son amertume dans son passé créole. Joie truquée de filles noires, des filles jaunes, dans le cabaret noir de Harlem, cherchant au fond d'un whisky brun, d'un whisky or, le village oublié d'un garçon brun, d'un garçon jaune, de bâtons rouges de Natchez. Damas, poète du jazz et de la négritude, est peut-être au plus près de Mackay dans ses figures de l'aliénation du cul-de-sac existentiel de la solitude, du profond malaise de l'artiste incompris qui trouve refuge dans l'alcool. Mais au-delà des thèmes et des images, la parenté entre les deux poètes... La parenté entre les deux poètes tient surtout dans l'esthétique du blues et des effets de blues obtenus grâce à un lyrisme rentré, feutré, en demi-teinte, avec ses figures rythmiques répétées, ses fameuses blue notes, ses riffs, les reprises du même motif en vue de son déplacement, de son inversion, pour créer une dissonance dans le même. On retrouve cette syntaxe particulière dans un petit poème parisien de Damas, Névralgie, publié dans le recueil Pigment en 1939. C'est un recueil qui a été relégué à l'ombre par cahier d'un retour au pays natal de M. Césaire, mais c'est un poème qui annonce le titre éponyme Névralgie de son second recueil de poésie. Névralgie d'un robinet qui coule, emplit les brocs de ma concierge, qu'un arc-en-ciel aspire. Fermez la névralgie du robinet qui coule, emplit les brocs de ma concierge, qu'un arc-en-ciel aspire. Enlevez du robinet qui coule les brocs de ma concierge, qu'un arc-en-ciel aspire. Ou coupez de la main jusqu'au cou, l'arc-en-ciel qui aspire les brocs de ma concierge, qu'emplit la névralgie d'un robinet qui coule. Donc je vais m'acheminer maintenant vers la conclusion. La poésie de la Harlem Renaissance a débordé les frontières des États-Unis. En France, après la Seconde Guerre, elle a facilité la production dans son champ littéraire, le champ littéraire français, grâce à des passeurs culturels comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus et surtout Boris Vian. Des romanciers noirs tels que James Baldwin, Ralph Ellison, Richard Wright et Chester Hines. Claude Mackay, qui a couru le monde de Londres à Moscou, de Berlin à Paris, à Marseille, de la Côte d'Azur à la Catalogne, est devenu un exemple de la dignité et de la résistance à l'oppression après que Winston Churchill aura cité son poème « If We Must Die » dans son célèbre discours historique exhortant les Britanniques à s'opposer de toutes leurs forces à l'invasion hitlérienne. Je cite un vers de « If we must die » déclamé par Churchill. « If we must die, oh let us nobly die, so that our precious blood may not be shed in vain. Si nous devons mourir, oh que ce soit dignement, que notre sang précieux ne soit pas versé en vain. » La poésie de la négritude franco-caribéenne, quant à elle, surtout celle de Césaire, a été inspiratrice de la poésie engagée au Québec dans les années 60 et 70, époque de l'affirmation politique et identitaire d'un nègre blanc d'Amérique, pour reprendre le fameux titre de l'essai de Pierre Vallière de 1968. Et on en retrouve des résonances
dont l'afficheur hurle, un poème de Paul Chamberlain de 1965, dont l'ombre appaillée de Gaston Mirand de 1970, et surtout dont le célèbre poème manifeste Speak White de Michel Lalande, qui a été déclamé par la femme poète, la poétesse en 1968, en 1970, et dont je vous fais écouter juste 2 minutes parce que ça vaut la peine. Comment il y a des résonances de ces airs. Alors je vais me déployer, je pense. Je vais fermer ça. Et je vais aller, comme on m'a bien montré, à PowerPoint. Ouais, voilà. Et je vais faire mieux. Je vais l'ouvrir. Alors écoutez, ça prend des minutes. Il y aura question de synomètre. Speak white. Plus fort. Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez de l'accent de Milton et Byron, Michel et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de l'Américain. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la grande charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des trumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille, nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher et donner des ordres, si c'est l'heure de la mort de l'ouvrage et de la pause qui réfléchit et radicote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter. Mais pour se vendre, mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Oh, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter l'histoire d'un peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche. Oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue jugeante. Notre parure pas très propre, tachée de cambouis et de ville. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier. Mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de l'anglais, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, d'une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre, avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger, et de Little Rock. Speak white. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized.
et qu'on pourrait lire notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, how do you do? Et nous entendez vous répondre, we're doing all right. We're doing fine. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors, juste un mot pour terminer. Qu'est-ce que ça signifie? Micro. Ah oui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour notre jeunesse, pour nos jeunes? Je crois ce qui est extraordinaire, c'est que pour Harlem Renaissance et la négritude, la démarche commune à l'improvisation et la poétique, l'engouement pour le jazz, faire des lances musicales de Harlem Renaissance, ce qui est extraordinaire, c'est que cette poésie ou ce lyrisme ou cette prosodie ait pu se métisser aujourd'hui pour favoriser l'irruption de nouvelles formes subversives de l'art urbain, comme le hip-hop et le rap. Ça se rappe très bien, certains poèmes de Damas. Donc, cette musique déclamatoire des exclus qui s'impose aujourd'hui dans nos cités, tout comme le slam, qui mise sur les jeux sonores et les rimes, et qui est fidèle en cela à ses anciens ancêtres africains. Je prends la liberté de dédier cette conférence de ce soir, ma conférence, à un ami cher, à un ami très cher, qui est mort à l'hôpital de Montréal lundi, Monsieur Roland Barret, écrivain, romancier, essayiste et scénariste. Roland Barret était le plus polonais des Haïtiens. Il parlait à merveille le polonais, ayant fait ses études dans les années 60 à l'école supérieure du cinéma à Łódź. Donc il repose en paix. Beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous l'ont bien connu. Merci de votre attention. Sur une narration haïtienne que nous connaissons déjà grâce à nos deux professeurs en partie. Monsieur Le Chocolaki, professeur à l'Institut de la culture polonaise de l'Université de Varsovie, anthropologue au spectacle, directeur de ce même institut dans les années 2003-2009, mais est aussi le professeur associé à la faculté d'études slaves en sortant de l'université dans les années 2012-2016. Elle est prédécesseur de M. Pavel Rodin au Centre des civilisations polonaises en fonction du directeur de ce centre. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont travaillé avec lui pendant ces années-là. Ses travaux portent sur les spectacles culturels et plus particulièrement sur les cultes de trans et les représentations performatives et théâtrales, particulièrement celle d'avant-garde et de la nouvelle avant-garde. Dans ses recherches, il combine les méthodes d'anthropologie du spectacle et de la performative. Il est membre de plusieurs comités scientifiques, entre autres du comité des sciences de la culture de l'Académie polonaise des sciences, membre du conseil de programmation de l'Institut national du patrimoine. Je ne vais pas les énumérer tous, ça prendrait beaucoup plus de temps. Il est également auteur de quelques ouvrages très importants, Matrosa Dokotor et Cheminel, sur l'activité de l'Institut de Grotowski, sur le chemin vers la culture, sur le chemin vers la culture active, l'activité de l'Institut sur les Grotowski, les Saints Arthur, ensuite la Samba avec l'étude, un récit anthropologique, et les Aïeux sur les théâtres de la fête de Ténor. Voilà, je vais pas prolonger cette présentation, je vous donne la parole, c'est beaucoup plus intéressant. D'ajouter une phrase, c'est que j'ai eu le plaisir de travailler avec Lech et qu'on a accueilli plusieurs fois. Nous sommes allés en Haïti ensemble pour faire venir en 2006 le peintre du Saint-Soleil, du groupe de peintres que André Malraux a découvert pour nous en France, en Europe, pour commémorer
le dixième anniversaire de la mort de Jerzy Grotowski, sixième anniversaire de la mort de Tiga, Jean-Claude Garoute, le chef de file de Saint-Soleil, et aussi pour commémorer le 50e anniversaire du théâtre laboratoire. Et ces Haïtiens qui étaient à Wrocław en 1980 sont revenus deux mois plus tard, après notre visite en Pologne, presque 30 ans plus tard. C'était, comment il s'appelait, Denis Smith, Saint-Jean Saint-Just, Payas, Onel et, comment il s'appelle notre ami, qui faisait de la musique, elle s'appelait... Oui, je sais. C'est juste pour vous dire qu'on travaille sur Haïti en Pologne. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de la mort de Jerzy Grotowski, artiste polonais, citoyen français. Citoyen français, professeur du Collège de France. Et dans quelques jours, à Varsovie, commencera le festival Grotowski, Grotowski Fest. Et maintenant? Oui. Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de la mort de Jerzy Grotowski, artiste polonais, citoyen français, professeur du Collège de France. Et dans quelques jours, à Varsovie, commencera le festival Grotowski Fest. Mais je voudrais évoquer un autre fait. La conférence de Grotowski, ici, il y a 50 ans, en 1969, la conférence qui était consacrée à la relation entre le théâtre et le rituel. Et consacré mon intervention à un des aspects des arts rituels exécutés par Grotowski vers la fin de sa vie. Dans son livre « La tribu blanche disparue, voyage à la recherche des minorités oubliées », Ricardo Rizzio cite un propos nébuleux d'un prêtre vaudou, Amon Frémont, recueilli en août 1993 à Casale, à Haïti. Je cite « Haïti est un paysan qui devient un noir par la force des choses. Si j'avais habité pendant un an en Pologne, même moi, je serais redevenu un blanc. Maintenant, quand je suis malade, je suis noir. À l'étranger, d'habitude, je me sens polonais, mais ici, je suis haïtien. Maintenant, à mon âge, et à cause de ce soleil auquel j'ai toujours été exposé, je suis finalement devenu un haïtien. Maintenant, je suis haïtien également pour la couleur de ma peau. » Fin de citation. Il faut abandonner le raisonnement d'un homme blanc pour comprendre cette argumentation. Il faut tout d'abord savoir que Casale, une ville située à 44 km de Port-au-Prince, au nord du Port-au-Prince, capitale d'Haïti, est le plus connu des villages habités par les Haïtiens d'origine polonaise, les Polonais haïtiens. Comment sont-ils arrivés là? C'est une histoire assez extraordinaire. Quand en 1802, Napoléon, à cette époque encore premier consul de la République française, a décidé de récupérer le plein pouvoir sur la colonie de Saint-Domingue et d'étouffer l'insurrection anti-française des esclaves noirs. Il a envoyé sur cette île de Caraïbes un corps expéditionnaire dirigé par son gendre, le général Charles-Victor Emmanuel Leclerc. Deux demi-brigades polonaises, équivalent à des anciens bataillons d'infanterie, faisaient partie de ce régiment. En septembre 1802 et en mars 1803, 5280 soldats de la Légion polonaise stationnant en Italie sont arrivés à Saint-Domingue. Environ 4000 légionnaires, le trois quarts de toute expédition, ont trouvé la mort sur cette île lointaine. Ils se sont noyés,
ils ont été tués sur le champ de bataille, ils sont morts en captivité, ou avant tout de la fièvre jaune. Cela ressemble à celle du général Leclerc, du général colonel Sokolovski, qui est tombé malade peu de temps après son arrivée à Saint-Domingue, qui n'a même pas eu le temps de prendre le commandement de sa demi-brigade. Environ 500 prisonniers polonais ont été incorporés de force par les Anglais dans leurs troupes en Jamaïque. Après une campagne perdue, 200 légionnaires polonais sont arrivés à Cuba et aux États-Unis, et pas plus de 330 sont revenus sur le vieux continent. Environ 400 anciens légionnaires de l'expédition napoléonienne sont restés à Haïti. Ce sont les seuls soldats de Napoléon qui ont survécu au carnage de Blanc, il est dit de l'année 1804, juste après la victoire définitive de l'insurrection et la proclamation de l'indépendance de Haïti. Le meneur de cette insurrection, le général Jean-Jacques Dessalines, a ordonné d'épargner les Polonais parce qu'il était ému de savoir que 120, voire même 150 soldats polonais ont rejoint l'insurrection et il était persuadé que les Polonais qui sont restés au service de Napoléon avaient des convictions républicaines démocratiques. C'est également lui qui a nommé les Polonais les nègres blancs d'Europe. La constitution de Haïti de 1805 a pour cela donné le droit de naturalisation aux Polonais. 240 anciens soldats ont profité de ce droit et se sont installés en tant que haïtiens naturalisés dans quelques villages. Port-Salut, petite rivière de Saint-Jean du Sud, Fond-de-Blanc et la Baleine dans le département du Sud, ainsi qu'à Casal, déjà évoqué, dans le département de l'Ouest. À Haïti, on pense jusqu'aujourd'hui que je vais le citer en créole, tout le monde Casal, c'est descendant polonais créolier. C'est-à-dire, tous les habitants de Casal sont des descendants des Polonais. Ils ont été naturalisés et on les a appelés Polonais noirs. Aujourd'hui encore, après 200 ans, on rencontre parmi eux des métis aux yeux bleus et aux cheveux châtains clairs. Tous les habitants de Casal, 4000 à présent, sont ainsi appelés à Haïti Mon Rouge, littéralement Peau Rouge. Cependant, en créole, Peau Rouge est un synonyme de Milan, métis. Attention, à Haïti, ni la dénomination Peau Rouge ou métis n'est péjoratif. À Haïti, la couleur de la peau de l'homme dépend de la partie de l'endroit où il habite. Désigner la couleur de la peau est aussi, peut-être avant tout, une désignation du statut social de l'individu. Ainsi, à Haïti, des dénominations comme Mila ou Claire, d'un côté, ou nègre, littéralement noir, d'un autre côté, ne se réfèrent pas nécessairement à la couleur de la peau. Une qualification de ce genre est mouvante. Quelqu'un naît en tant que nègre, grâce à l'ascension sociale, en s'installant en ville ou en terminant ses études, devient clair car le changement du statut blanchit la peau de l'homme. Comme le dit un proverbe haïtien connu, un noir riche est un métis pauvre est un noir. Mais il est utile de remarquer qu'un nègre, dans sa signification première, veut dire l'homme, et dans son utilisation courante, un gars, un pote. Ce terme haïtien n'a aucune connotation avec le terme français péjoratif nègre ou colonel charnoc. Et de la même manière, le mot blanc signifie non seulement la couleur de la peau, mais également l'étrangeté. C'est le synonyme d'étrangère, même si l'on parle d'un métis. Quand, à Montfermont, le prévôt de Casal, déjà cité, est retourné dans son village après quelques mois passés en Pologne, il a été considéré comme quelqu'un qui ressemble à un blanc, c'est-à-dire en partie à un étranger. Voilà donc pourquoi il avait raison de penser que s'il avait de nouveau passé une année en Pologne, il serait redevenu un blanc, exactement comme ses ancêtres, les soldats polonais de Napoléon. Comme il s'est réinstallé à Haïti depuis une dizaine d'années, et en plus dans un village, par la force des choses, comme il le dit lui-même, il est redevenu nègre. Cela signifie qu'il était de nouveau un garde de Casal, polonais noir, pour les autres haïtiens en la rigueur, un mont rouge, peau rouge.
que les immigrés polonais puissent devenir de noirs et tôt en Pologne, pays qui n'a jamais eu la colonie. Alors qu'en Haïti, le fait que quelqu'un qui ait la peau noire soit un peu rouge et puisse même devenir un blanc est une chose naturelle et n'incontestable. Mais par quel miracle, à Montfermont, le prêtre Vaudou de Casal a-t-il fait un voyage en Pologne? Il l'a lui-même raconté à plusieurs reprises. Jan Thompson a entendu la version suivante présentée dans son livre « Bonjour Blanc, a journey to Haïti ». Je cite « Un certain Polonais est arrivé ici à Casal à la recherche de ses proches. Il portait le même nom que mon grand-père, Blokowski. Il a dit « Je vais t'emmener au pays de tes ancêtres. » C'était en 1980, je n'avais jamais pris l'avion jusque-là. Fin de citation. Le père Enel Clérisme a entendu une version similaire de cette histoire. Elle a mentionné dans un document « Présence polonaise en Haïti » édité à l'occasion de la visite du pape polonais à Haïti. Je cite « Vous avez été en Pologne, pouvez-vous nous raconter les circonstances de ce voyage ?»« Je suis allé là-bas en compagnie d'un blanc du nom de Blokowski, qui est venu ici pour mettre au verre. Je l'ai reconnu quand il est venu chercher les traces de ses descendances à Haïti. Il m'a considéré comme un de ses ancêtres. Il a décidé de m'emmener là-bas la Pologne mythique, pour que je connaisse les autres membres de sa famille. Fin de citation. Dans cette dernière narration, les relations de parenté sont totalement erronées. Ce Blokowski de Pologne ne pouvait pas vraiment chercher à Casal sa descendance, à la rigueur des descendants de l'ancêtre commun, parce que la communauté des immigrés polonais à Haïti a été créée au début du 19e siècle. Pour cette même raison, il n'a pas pu connaître en amont vraiment son ancêtre. Pourtant, c'est un fait que ce Blokowski l'a invité en Pologne en 1980, où un nom a été accueilli selon ses propres mots comme un membre de la famille. Amon Fremont a raconté cet accueil familial 12 ans plus tard dans une conversation avec Riccardo Rizzio, correspondant à l'étranger du journal italien Corriere della Sera et de la Repubblica, ainsi que de la chaîne américaine CNN, lorsqu'il menait ses recherches à Haïti pour l'un des chapitres de son livre sur la tribu blanche disparue. Je cite « Mon grand-père était polonais, il s'appelait Faun Fremont Becket. Mon père était polonais, moi je suis polonais. Et je suis allé en Pologne parce que Jerzy Detowski m'a invité, qui est un blanc qui est venu à Casal pour trouver ses ancêtres et les emmener en Pologne pour qu'ils connaissent sa famille. Jerzy est une personnalité importante, un grand blanc. Personnalité. J'aime Jerzy parce qu'il a fait pour moi beaucoup de bonnes choses. Qu'il s'occupait toujours de tout. Quand j'étais en Pologne, je n'ai même pas dépensé un sou. Tout a été payé par ce blanc. » Comment s'appelait véritablement ce grand blanc, cette personnalité de l'étranger? Blokowski ou Detowski? Ou peut-être encore autrement. Pour Amon Fremont, cela semble être une question floue. Il n'en est pas autrement pour le nom de son grand-père. Il en est probablement ainsi et probablement il doit en être ainsi de toutes les questions qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la Palapoloi, la Pologne mythologisée. J'ai personnellement connu Amon Fremont quand en 1980, il est venu en Pologne dans un groupe de 13 Haïtiens. Je les ai fait visiter Varsovie et je les ai accueillis chez moi. Il me semble que je sais comment s'appelle ce grand blanc qui les a invités. J'ai connu cet homme sous le nom de Jerzy Grotowski. Le metteur en scène polonais, créateur de l'Acropolis, de la tragique histoire du docteur Faust, du prince Constant et de l'Apocalypse Confidus, auteur de vers un théâtre pauvre, et plus tard, professeur titulaire de la chaire d'anthropologie théâtrale au Collège de France à Paris, incité par Jean-Marie Drom, écrivain et réalisateur de documentaires, qui pendant un déjeuner lui a parlé du vaudou et lui a donné des adresses à Haïti,
est parti en décembre 1977 pour la première fois à Haïti. Il a immédiatement cédé à une vraie fascination qui lui a inspiré un nouveau changement dans son art. Il annoncera bientôt son nouveau projet, le Théâtre des Sources. Pendant son troisième séjour à Haïti, entre novembre et décembre 1978, il a rencontré le groupe Saint-Soleil, déjà mentionné, à qui Dro a consacré un des épisodes de son cycle documentaire de cette période, Journal des voyages avec André Malraux, à la recherche des arts du monde entier. À ce moment-là, Grotowski a commencé sa collaboration avec Maud Robart, qui s'est poursuivie dans les travaux sur le drame objectif à l'Université de Californie, Irvine, et ensuite sur les arts rituels au centre du Lavoro di Jerzy Grotowski à Pontedera en Italie jusqu'en 1993, donc pendant 15 ans. Il est retourné encore une fois à Casa, probablement par affection pour les Polonais haïtiens habitant là-bas. Au groupe de 12 artistes de Saint-Soleil qu'il a invité, il ajoute le prêtre vaudou Amon Frémont. Ceux qui ont étudié l'art de Grotowski connaissent l'importance de la culture afro-haïtienne dans son travail. L'artiste en a parlé notamment pour la première fois à l'occasion du projet du Théâtre des Sources qu'il a commencé à réaliser en Pologne en 1976 ou 1977 et qu'il a poursuivi jusqu'en 1982 quand il a quitté la Pologne. Il suffit de regarder son texte « Theatre of Sources ». Dans ce texte, Grotowski mentionne entre autres l'expédition menée avec le noyau du groupe transculturel dans le cadre du Théâtre des Sources à Haïti. Cette expédition, qui a duré presque 3 semaines, a eu lieu entre juillet et août 1979. Après des années, Grotowski a nié s'être concentré sur les phénomènes de transdépossession vaudou et il a avoué qu'ils étaient plutôt intéressés par les possibilités d'entrer en contact avec des forts exemples humains des possesseurs de la tradition ancienne. Il avait sûrement en tête Eliezer Cadet, qui à l'époque habitait à Port-au-Prince, la capitale du département du Nord-Est, dans le Nord-Ouest. L'écrivaine suédoise Marianne Arne a publié une photographie d'Eliezer Cadet, âgée de 80 ans, dans son livre Les aventures et le battement des ailes. Elle lui a rendu visite quelquefois dans les années 80, lui a consacré une description suggestive dans le chapitre incertain. Certains ongans de ce livre. Cadet a été l'un des prêtres vaudous les plus célèbres à Haïti. Grotowski l'a amené dans un voyage à Ife et à Oshogbo, sur les terres de Yoruba, dans le sud-ouest du Nigeria, et ensuite en Pologne. Notamment, à la différence du culte Santeria afro-cubain, du culte Shango afro-trinidad, du candomblé Nago afro-brésilien, qui provient de la religion du peuple Yoruba, le culte vaudou afro-haïtien, même s'ils contiennent des éléments de la religion européenne, qui l'ont nourri encore au début du XVIIIe siècle sur le territoire du royaume africain d'Abomey, puisent le caractère de la religion vaudou du peuple Fon, qui est une croyance traditionnelle des habitants du Bénin, d'Abomey et du Togo, ainsi que du Nigeria et du Ghana voisins. À l'été 1979, Grotowski a invité en Pologne, en prise de Eliezer Cadet, de deux leaders du groupe Saint-Soleil. Amon Frémont, prêtre vaudou de Casal, est arrivé en Pologne une année plus tard, en accompagnant le groupe de 12 artistes de Saint-Soleil dirigé par Jean-Claude Garoux, nommé Tiga, et Maud Robart, déjà évoqué. Jusqu'à la fin de son séjour, il ne s'est probablement pas intégré à ce groupe bien uni. Peut-être s'est-il lui-même senti distingué, car c'est lui qui avait des origines polonaises. Quand ils sont tous venus chez moi à Varsovie, Amon était facilement reconnaissable. Car même s'il n'avait pas les yeux bleus ou les cheveux châtain clair, il était le seul à se tenir les mains sur les hanches et se balancer d'un pied à l'autre comme un montagnard polonais. Et il buvait de la vodka pure, d'un très verre après verre, exactement comme un polonais.
Et même s'il parlait uniquement en créole, il écoutait les conversations en polonais en hochant la tête comme s'il comprenait tout. Quand des années plus tard, Jan Thompson lui a demandé « Comment as-tu trouvé la Varsovie ?» Il répondit brièvement « Amar, vodka excellente. » Je regrette un peu qu'il n'ait pas retenu le nom d'Adam Mickiewicz, dont j'ai montré la statue à tout le groupe durant notre visite de Varsovie, en expliquant que ce grand poète polonais était un prophète. Donc, quelqu'un comme un Mungan, un prédévodo qui s'occupe des esprits et qui règne la Légion des âmes. Pourtant, un moment, n'a même pas retenu le nom de Jerzy Grotowski, celui qui l'avait invité en Pologne, a tout payé et s'est occupé de tout. Il n'a pas non plus retenu le nom du projet du théâtre des sources, auquel il a participé en Pologne en 1980, dont le nom français était affiché à l'entrée du siège du théâtre laboratoire à Wrocław, et qu'il a dû lire plusieurs fois à cette époque. Mais qu'a-t-il raté? Je cite, « Jerzy m'a choisi parce que ma façon de vivre lui a plu. Je suis un sorcier. J'ai un pouvoir magique. Tout le monde m'aime ici à Kazan. Le grand blanc a bien aimé qu'un Polonais connaisse la magie. » Expliquait-il 16 ans plus tard à Ricardo Vizio. Et je savais que je suis quelqu'un qui a le pouvoir d'instaurer la paix en Pologne. Ce jour-là, dans ce pays, il y avait la guerre. Le pays avait besoin de quelqu'un doté d'une force magique. Jerzy m'a emmené de ville en ville et organisé des grands fêtes de la magie. Dans chaque ville, on allait dans la forêt ensemble avec au moins 25 blancs et on pratiquait le rituel. Grotowski a exprimé ses intentions, celle-là même qu'à Montfermont a nommé grande fête de la magie et que Grotowski avait appelé le théâtre de source, de la manière suivante, je cite. Cette entreprise s'est focalisée sur ce genre d'action qui précède les différences et elle englobe pour cela des personnes issues de différentes traditions et de techniques éloignées. Ce travail peut être approfondi et développé en commun, même sans explication particulière et même sans partager une langue commune, parce qu'il repose sur quelque chose d'extrêmement simple. Les actions introduites par un haïtien sont considérées comme valables et si et seulement si elles fonctionnent pour un non-haïtien. Il a décrit ainsi l'organisation de ce travail. En Pologne, on réalise tous ces programmes dans un lieu particulier ou reculé en dehors de la ville, dans des bâtiments spacieux, bruts, avec des espaces pour le travail et dans un environnement neutre. Lieu qui est doté, selon nous, d'une force propre ou d'une présence particulière, où chaque sentier a une signification pour nous et sa propre nature. Le parcours de certaines actions mène à des endroits frappants, extraordinaire et chargé comme de piles. À l'été 1980, nous avons réalisé pendant 3 mois, jour et nuit, un séminaire pratique pour 220 personnes invitées qui venaient par vagues pour participer à une aventure exceptionnelle, à une traque incroyable, à une expédition vers la plénitude qui nous dépasse, ou que l'on ne pratique pas dans la vie quotidienne. Notre espace, notre lieu particulier dans l'espace fermé, ou sous le ciel ouvert, est devenu un théâtre des événements, comme on parle du théâtre de bataille. Dans ce sens, nous pouvons parler du théâtre des sources. Fin de citation. Dans cette narration de Amon Frémont et Jerzy Grotowski, la direction ne s'accorde pas. Frémont raconte qu'il voyageait de ville en ville en emmenant avec eux des groupes de gens dans la forêt. Grotowski raconte qu'ils se sont réfugiés dans un endroit reculé en dehors de la ville, dans la forêt où le groupe de gens invités arrivaient par vague. Il me semble que le reste est similaire, mais formulé de manière différente. Grotowski parle de la force propre des lieux, chargée comme des piles,
frappant et extraordinaire. Vraiment, Apple saisit tout simplement la magie. Grotowski parle du théâtre des événements, de la traque incroyable ou de l'expédition vers la plénitude. Vraiment, Apple saisit des grandes fêtes, de la magie ou tout simplement des rituels. Dans le livre de Riccardo Rizzio, à ces deux narrations, se joint une troisième de l'auteur lui-même. Ce reporter, qui s'occupait dernièrement d'organiser des safaris, n'a pas deviné qui était ce Yeje de Tops, de ce qu'il a entendu de Amon Fremont. Il a ainsi dépeint ce mystérieux bienfaiteur polonais. Je cite, « Qui était vraiment ce Yeje et pourquoi se trouvait-il à Haïti ? On l'ignore. » Amon parle de manière embrouillée des magasins, ce qui nous fait penser qu'il pourrait être un commerçant. Quel était son commerce ? Difficile de deviner. J'essaie de m'imaginer ces Polonais, ces grands blancs qui peuvent voyager et mener des affaires à l'étranger dans la période d'un régime pro-soviétique. Il doit donc certainement appartenir au cercle de pouvoir, mais également secrètement à Solidarność, qui a fait éclater la même année la première grève, c'est-à-dire la guerre évoquée par Amon. Ces Polonais puissants, fascinés par l'histoire des frères haïtiens oubliés, pensent qu'à l'aide d'un grain de vaudou, on peut affaiblir l'Union soviétique. Mais peut-être que ces Polonais étaient tout simplement un homme d'affaires sans scrupules qui a amené le pauvre Amon dans des villages polonais et montré des cérémonies rappelant le vaudou pour les profits et pratiqué cela dans la forêt, en cachette car la police pouvait considérer ces manifestations comme anti-régime. Fin de citation. Ni dans la narration de Fremont, ni dans celle de Grotowski ne sont mentionnés des paiements pour la participation au rituel de la forêt. Car à vrai dire, personne n'est payé pour sa participation au séminaire pratique du théâtre des sources. À part cela, le portrait de Grotowski dessiné par Rizzio est l'un des plus frappants. C'est de la personnalité, différents visages, différents aspects, multiples personnages créant l'ensemble de l'image de celui qu'il a décrit dans son énumération qui donne le titre à son article. Shapeshifter, Shaman, Trickster, Artist, Adept, Director, Leader, Grotowski. Il est difficile de reconnaître dans ce portrait celui que le monde a connu dans les années 90 comme le lauréat du Genius Award de la Fondation MacArthur américaine ou du doctorat honoris causa de l'Université de Bologne. Dans son essai, Schechner étudie la question de savoir pourquoi Grotowski, qui, comme nous le savons, jusqu'à la fin de son séjour en Pologne en 1982, est resté membre du parti ouvrier unifié polonais et au printemps 1983 a demandé l'asile politique aux États-Unis, ne s'est pas directement engagé dans le mouvement de Solidarność. Et il répondait, à vrai dire, Grotowski est autant un politicien dans le sens de Solidarność qu'un nom de théâtre dans le sens de Broadway. Grotowski était lui-même d'accord avec cet avis en tant qu'illustration parfaite de sa position. Pourtant, Maurizio avait quelque part raison en disant que les cérémonies qui ressemblaient au vaudou organisées par Grotowski dans la forêt en cachette pouvaient être considérées comme incitant à la révolte et au trouble, mais seulement dans un sens que Grotowski n'a pas soupçonné. Si Grotowski appelait à une révolte quelconque, c'est plutôt en tant que révolte d'outsiders, de marginaux maudits de la société. Il citait notamment ces exemples pendant la période du théâtre des sources. Le fou, dit bouddhisme zen, Saint François d'Assise, le juif assidique. La comparaison de Grotowski au juif assidique est probablement la meilleure partie de l'essai de Schechner. Il remarque, à juste titre, que le système philosophique ne rapproche pas tant Grotowski au juif assidique que, avant tout, sa façon de diriger, c'est aussi. Quand on regarde ceux qui travaillent au service de Grotowski, on voit les juifs assidiques avec l'air rêve. Grotowski répond à l'amour de ses élèves, non par dévotion ni par sentiment
mais de manière typiquement acidique. Paradoxalement, brillamment en demandant un travail difficile de la lumière et de l'énergie émanant de lui. Cela ressemble à la philosophie zen, ce que Martin Buber fait remarquer. Il est utile de souligner que dans un mouvement acidique, le système était indissociable de la relation maître-élève. Le système en résultait et s'est réalisé en elle une relation entre le jeu acidique, non de pieux, et un tzadik, non injuste, en tant qu'incarnation vivante de la connaissance. Et un exemple personnel, une personne déjà légendaire durant de sa vie. Selon l'excellente formulation de Martin Buber déjà évoquée, l'acidisme a transformé la cabale, le système décrit dans le Zohar, en ethos, en une façon de vivre. C'est pour cela que le mouvement acidique est important pour Grotowski, pour qu'il ne compte que le cadre des événements, l'action. Dans la période du théâtre de Sousse, la lecture préférée de Grotowski était Gog et Magog, chronique de l'époque napoléonienne de Martin Buber, qui lisait en français car la traduction en polonais n'existait pas encore. Il lira toujours le livre de Buber à l'Université de Californie Irvine en réalisant le projet du drame objectif. Jan Kot raconte qu'il a invité Grotowski chez lui en Californie et à cette époque pour déguster des raviolis à la russe. Je cite Jan Kot. En partant, il m'a offert un livre dont il disait qu'il ne le quittait jamais. C'était la traduction française des récits acidiques de Martin Buber. C'est très étrange, mais ce gourou ancien me faisait penser ce soir-là, avec ses raviolis à la russe, à un juif acidique. Avant, en mars 1981, Grotowski est allé à Gdańsk, dans le chantier naval de Bajerek Wałęsa, et où, 6 mois plus tôt, était né Solidarność. La situation politique en Pologne était à cette époque-là très tendue. L'étouffement des grèves et des protestations ouvrières aurait pu se transformer en guerre. À ce moment-là, Grotowski a participé à un séminaire de professeur Maria Janio à l'Université de Gdańsk. Ce séminaire s'est déroulé différemment que d'habitude. Grotowski a commencé par la lecture et les commentaires d'un texte de Martin Buber, Faux prophète. Et il a dit, je cite, « Les Juifs hassidiques considéraient que l'on ne peut manipuler le futur. Pourtant, les Juifs voulaient contrôler l'avenir du Messie. Il y avait un Juif à Lublin qui, pendant que Napoléon partait à la conquête de l'Égypte, appelait à le soutenir. Il était convaincu que tout se décompose, que le monde entier s'écroule. Il fallait donc accélérer la catastrophe pour forcer Dieu à envoyer le Messie. Une telle tentative de manipuler le futur est un piège. » Ce juif de Lubin, dont parlait Grotowski, c'est le Rebbe Menachem Mendel de Romanov, qui voyait Gog en Napoléon et après la guerre du cœur, le Messie attendu devait venir. En revanche, Rebbe Israël de Kozienice, connu en tant que magique, doutait que même le tzadik le plus instruit puisse savoir de quelle manière les victoires ou les défaites d'un homme sont liées au salut. Quand en 1805, le prince Adam Jerzy Czartoryski lui a rendu visite, Czartoryski était encore ministre des Affaires étrangères en Russie, Magit lui a dit: aucun des puissants de cette terre ne possède de pouvoir sur les esprits de la nation. Et seul le pouvoir sur l'âme est un vrai pouvoir. Probablement Grotowski, ce colonel puissant de l'exégèse d'Orizio, ce juif acidique, selon Jan Kot, ne s'imaginait pas en 1980 qu'à l'aide d'une dose donnée de vaudou, on pouvait réduire les forces de l'Union soviétique. Kot compare le récit noté par Buber au récit recueilli par Stanisław Wincens au bord de Tcheremos dans l'ouest de l'Ukraine. Wincens a notamment écrit cette belle phrase sur les prières acidiques qui, année après année, s'élèvent vers le ciel, et même si étrangère veille sur nos terres. Je cite littéralement:
Comme en sécurité se sent un enfant grandissant dans un pays sur lequel, année par année, veille de telles prières, même si elles viennent d'une autre religion. Pendant des centaines d'années, le bruissement de ces prières se levait vers le ciel. Et maintenant, ils se sont tus. Dans ce sens, à mon frémon, on pouvait avoir profondément raison. Ces rituels pratiqués dans la forêt étaient en mesure d'instaurer la paix en Pologne. Pendant le séminaire, Ardan Zlotowski a présenté une réflexion assez nébuleuse. J'ai rencontré le hassidisme au travers des Noirs à Haïti. En séjournant à Haïti, à un mouvement très important, l'élection de Jean-Paul II à la chaire apostolique, pour les Haïtiens et pour nous, j'ai connu un vieillard qui ressemblait beaucoup à un juif hassidique de Louny, celui de Gog et Magog. Il s'agit de Rebbe Mendel Berman, déjà évoqué partisan de Napoléon comme annonciateur du Messie. Le vieux de Haïti, avec son messianisme assoiffé de manipulation pour accélérer la fin du monde, ressemblait au vieux juif de Louny. Dans les années 70, la situation a été toujours tragique. Après la mort du dictateur sanguinaire François Duvalier en 1971, son fils Jean-Claude exerça un pouvoir non moins sanguinaire grâce au service secret Tonton Macout. Jean-Claude quittera le pouvoir en 1986 à la suite des manifestations et de meurtres violentes. À la moitié du règne de Bébé Doc, la société haïtienne était remplie de l'attente du changement pour le meilleur. Cela n'est pas étonnant que dans le cercle vaudou, si fortement imprégné de la pensée magique, des attitudes messianiques soient apparues. Les exemples de juifs hassidiques et des habitants de Haïti sont pour Grotowski des analogies aux perturbations sociales vécues par les colons en 1980-1981. Chez nous, l'équivalent du cercle de Rebbe Mendel Berimanov, avec ses espoirs messianiques placés en Napoléon et avec ses tentatives de manipuler l'histoire, était sûrement le mouvement massif des soldats marchés. Dans ce cas-là, qui aurait pu être le Napoléon de notre époque? C'est Gog, selon le parallèle de Grotowski. Serait-ce ce pape polonais tout juste élu à la chaire apostolique? Grotowski s'est placé lui-même à la marge de cette histoire. Il suivait l'exemple de ce sage Rebbe Israël de Kozienice qui a dit au prince Józef Poniatowski que celui qui ne sait pas saisir la distance au moment historique est perdu. Grotowski lui-même a essayé de saisir cette distance en pratiquant quelque chose de similaire aux juifs hassidiques. Schechner affirme, je cite, les juifs hassidiques recherchent Shekhina, appelée par les Grecs Sophia, la lumière de la sagesse, en transperçant sa carapace, en ramassant ses petites flammes. Le cadre de source, le drame objectif, l'art comme véhicule, sont dans le langage de Grotowski une telle recherche, une recherche de Shekhina. Cette option est incroyablement exacte. Et pourtant, Schechner ignorait au moment, il l'a formulé probablement jusqu'aujourd'hui, ce que Grotowski a dit au sujet de Shekhina durant le séminaire à l'université de Gdańsk. Je cite, chez les juifs hassidiques et chez Buber, on trouve la notion de Shekhina. Shekhina est une partie de Dieu, c'est un morceau arraché de Dieu, son fragment qui, sous la forme d'une vieille femme fatiguée, traverse les champs et les forêts. C'est la mer. En aidant quelque chose de vulnérable, de vivant, j'entre en relation avec elle. C'est la mer qui erre, rejetée et perdue. Quand on traverse une forêt dans la nuit, on ressent qu'il existe des lieux, denses particulièrement et intensément vivants. Là-bas se trouve la mer. Mais elle est extrêmement perdue. Il n'est pas difficile de remarquer que dans cette description de la recherche de Shekhina, dans les endroits densifiés et particulièrement intensivement vivants, Grotowski a utilisé les mêmes formulations que lorsqu'il a caractérisé l'état des sources en parlant de lieux chargés comme des piles, frappants et extraordinaires.
Grotowski n'était pas un juif hassidique. Il n'était même pas juif. Pourtant, Jan Kott a vu un jour en lui un juif hassidique. Quelque part, Grotowski est devenu un juif hassidique. Sur notre terre, cette terre où les juifs et leurs prières manquent. Grâce à son cadre de source, il a fait que nous, les participants à cette entreprise, même si non juifs, nous étions comme des juifs assidiques à la recherche de Shekhinah. À Montfermont, le prêtre Vaudou, polonais noir de Haïti, qui ne savait rien sur l'histoire qui a traversé la terre polonaise au 19e et au 20e siècle, faisait cette recherche avec nous. Cela peut-il être une preuve qu'il existe des actions qui précèdent aux différences? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Pour ce récit avec tant de vidéos pour me rappeler, vous savez ouvrir à certains les liens qui ont été avec Grotowski et avec les traditions haïtiennes. Je vous propose qu'on pose quelques questions à nos intervenants, mais je ne vous donne pas trop de temps, parce qu'on a encore au programme un concert de la musique haïtienne, un peu cocktail pour clôturer cette belle soirée. Donc je passe la parole au public si la question. Mais est-ce que tu peux nous dire succinctement, en quelques phrases, quel est l'impact du vaudou en tant que philosophie de la vie, en tant que religion, en tant que rituel, sur le plan pratique dans le théâtre du Grotowski? Est-ce qu'il s'est inspiré de quelque chose? Parce que le vaudou, la cérémonie vaudou, elle est extrêmement structurelle. C'est pas, il y a un côté spectaculaire, il y a des acteurs, c'est une religion qui est chantée, qui est jouée sur le tambour, et chaque chant, et chaque son du tambour a une signification rituelle, selon quel, le dieu qu'on invoque, etc. Est-ce que le mouvement des corps, le chant, le rythme du tambour, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a intégré dans la pratique théâtrale ou parathéâtrale de ses adeptes? Oui, je dois commencer par une remarque. En 1976, 17, vers 1980, Grotowski n'a plus travaillé dans le domaine du théâtre. Proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé de mise en scène, des spectacles théâtrales qui peuvent être présentés comme des œuvres d'art aux spectateurs. Il s'est concentré sur la technique des sources, comme c'est ce qu'il appelait la technique des sources, c'est-à-dire la technique contre la technique rituelle de vaudou. Et c'est le côté de structure qui lui a intéressé dans le vaudou, pas le phénomène de la possession, pas de crise de possession, de transe, et tout ça, tout ce qui est l'essence du vaudou, mais ce côté rituel de structure. Par exemple, il a utilisé le dans Jan Wallo, qui est très important dans le rituel de vaudou. Il est un tambour aussi, Jan Wallo. Lié avec
nommé Dambala, mais il a utilisé cette sorte de danse comme la structure pour le performer, pour déclencher l'énergie dans le corps du performer. Mais pas pour la possession par Dieu Dambala. Peut-être une observation, des questions, des remarques, oui. Approchez-vous. Juste une question au professeur Pacapo, parce que vous avez parlé de à la Renaissance. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que et c'est possible de souligner le lien entre la Renaissance et le mouvement et de l'indigénisme en Haïti et comment ça a quelle a été cette réception du Renaissance en Haïti et comment ça a nourri un peu le développement de ce mouvement de ce qu'on appelle l'indigénisme qui a ses propres sources en Haïti mais aussi qui est dans une dynamique dans un lien avec ce mouvement de la Renaissance. Merci. Vous m'entendez? Oui. L'indigénisme vient un peu plutôt que la négritude dans les années, la fin des années 30, à Paris et aux Antilles françaises. L'indigénisme commence vraiment vers la fin des années 20. À la recherche aussi d'une authenticité. Et on signe des ruptures avec le romantisme haïtien, avec la poésie nationale qui glorifie les faits du passé. Et l'indigénisme est à la recherche justement de la culture haïtienne. Bien sûr, l'indigénisme Price Mars, ainsi dans le parlement, mais je parle de poètes. L'indigénisme s'est divisé à la fin. Certains ont constitué le groupe les Griottes, qui ont érigé l'identité noire haïtienne en un tabou, en un totem, un emblème. Et de ce groupe les Griottes viendra plus tard le docteur, le papa Jean-François Duvalier. Il y a des poètes aussi qui vont basculer dans une exaltation de la race, mais de l'indigénisme vient aussi des poètes plus universalistes qui sont extrêmement attachés à la culture populaire haïtienne, mais qui l'universalisent. C'est Jacques Roumain, par exemple, comme poète. Quand tu lis Bois d'Ébène, un grand poème, le Bois d'Ébène, on est déjà justement dans l'indigénisme qui traverse les frontières. Alors maintenant, la Harlem Renaissance et l'indigénisme, c'est surtout le contact de Jacques Roumain avec Langston Hughes. Ils s'écrivent, Langston Hughes a fait un séjour en Haïti aussi, et puis il y a les séjours de Alan Locke, le chef de file de Harlem Renaissance, le gourou presque de la Harlem Renaissance, parce que c'est un philosophe, un penseur, qui en 1941, si je me trompe, je ne suis pas un grand spécialiste de la Harlem Renaissance, a fait une série de conférences en Haïti, qui étaient très écoutées dans les milieux des poètes, comme à l'hôtel Savoy. Après, Breton va venir à l'hôtel Savoy et il va faire sa conférence sur le surréalisme. Et René Depestre, le jeune poète, après avoir écouté la conférence de Breton, vont sortir dans la rue, les étudiants vont sortir dans la rue, les poètes avec René Depestre groupés autour de la revue La Ruche vont protester, il y aura des émeutes, et le président Elie Descôts va être renversé. Mais pour la Harlem Renaissance, il y a deux figures. Langston est des contacts, parce que tout se fait par les contacts personnels. Langston Hughes
qui est jamaïcain, n'oublions jamais que Claude McKay, Langston Crew, ce sont des Caribéens, des insulaires à New York. Langston Crew a soutenu, de façon soutenue, il a continué une correspondance avec Jacques Roumain. Ça, cette correspondance est là, quelque part, on ne l'a pas beaucoup publiée. Et puis, vice-versa, il y a les conférences d'Alan Locke en Haïti sur justement l'art noir américain, sur la poésie et sur la musique. Et ces conférences sont publiées en France. Si vous voulez en savoir plus, voyez le livre de l'ouvrage publié par Anthony Manchon, qui est rédacteur, éditeur de ce volume. Je ne me souviens pas du titre, mais c'est Alan Locke in Haïti. En Haïti. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Elle est évasive, je ne souhaite pas. Il n'y a eu pas de lecture. C'est-à-dire les indigénistes, les poètes indigénistes, il y a un magnifique article de Georges Castera sur l'indigénisme, où il objectivise beaucoup de choses. Les indigénistes ont effectivement lu les poètes de la Harlem Renaissance, ou les poètes américains en général. Parce que Harlem Renaissance émerge dans les années 1916-15 et l'indigénisme, ce sont les années 1922, 23, 24, jusqu'aux années 30, d'accord? Donc, ils ont lu, ce sont des gens qui sont cultivés, qui maîtrisent l'anglais, parce qu'en Haïti, dans les secondaires, on enseignait très bien le français et on enseignait très bien l'anglais aussi. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand nous étudions aujourd'hui ces relations transversales qui passent par Paris, mais il y avait des relations qui ne passaient pas par le triangle Paris, New York et Port-au-Prince. Il y avait des relations New York-Port-au-Prince aussi. Et c'est le cas d'Aimé Césaire. Il publie la revue Tropique en Martinique, où il donne une large place à la poésie américaine, et aussi une large place dans la revue Tropique qui a existé, je pense, 5 ans. Elle est publiée aujourd'hui aux éditions Jean-Michel Place. Vous pouvez voir combien cette revue est ouverte sur le monde. Et il donne place aussi à la poésie et à l'art cubain. Surtout, il va traduire les poèmes de Nicolas Guillén, qui est le grand indigéniste cubain, et des contes populaires haïtiens, des contes noirs, de Lilia Cabrera. Et ces récits-là sont publiés dans la revue Tropique dans les années 1940, 45, etc. Et comme André Breton arrive à Port-au-Prince en 1945, avant de faire sa conférence à l'hôtel Savoy sur la négritude et la surréalisme, il va acheter un ruban coloré chez un coiffeur. Il va chez un coiffeur, il s'assoit, parce qu'il y a un client qui est en train d'être coiffé, et il voit sur la petite tablette la revue Tropique. Il commence à lire, et il est estomaqué, vraiment, il reste quoi, comme on dit, perplexe, parce qu'il voit la poésie, c'est-à-dire le premier poème, les ébauches de Cahier du retour au pays natal, et les poèmes de Magloire Saint-Aude. Et là, pour lui, c'est une parole surréaliste haïtienne, tropicale. Pour lui, ce sont des surréalistes dont on ignorait l'existence vraiment à Paris. Donc vous voyez ce qu'il y a dans les Antilles et en Haïti des revues et des paroles de poètes, des voix de poètes qui résonnent et qui sont à la conquête, à la recherche des échos, des relations et d'une sorte de compréhension mutuelle, ce qui va se faire très lentement. Justement, ça va se faire avec le séjour de Léon Lalot à Paris. Léon Lalot, c'est lui qui dit « j'ai un chagrin, c'est-à-dire je dois parler, exprimer avec le mot de France mon cœur qui est du Sénégal, sur un mode de déchirement. » D'accord? Donc,
je ne vais pas prolonger, mais je voudrais vous dire, c'est pour vous un très grand champ d'études. C'est vrai qu'on pourrait encore prolonger, mais je vous propose maintenant de sentir les rythmes haïtiens et j'invite sur scène nos musiciens. Avant qu'ils montent sur scène, je voudrais le présenter. Ce sera le concert de Claude Saturné, accompagné d'un jeune musicien qui présentera lui-même. Claude Saturné est né à Jourmel, en Haïti, le 14 février 1978. Il a grandi à Carrefour, dans la banlieue de Port-au-Prince, près d'un camp de vaudou. Dès son plus jeune âge, il est imprégné d'un rythme des chants vaudou traditionnels haïtiens. Pendant toute sa vie d'artiste, il multiplie ensuite leurs rencontres avec des percussionnistes et maîtres des vaudou dans différentes régions d'Haïti, la Guiraci, un peu plus. Peu à peu, la maîtrise des nombreux rythmes traditionnels vaudou. Je vous invite et je vous salue ici dans ce lieu.